Chers amis, je suis Mgr Marcel Danfousse, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy. Évêque du diocèse d'Alexandria-Cornwall depuis 2012, Mgr Marcel Danfousse a été nommé évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie le 12 novembre 2015. Son installation a eu lieu le mercredi 13 janvier en la pro-cathédrale de l'Assomption, sous la présidence du cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, en présence du nonce apostolique Mgr Luigi Bonassi et d'une vingtaine d'évêques. Il me fait plaisir de vous présenter quelques extraits de cette inauguration de notre nouvel évêque. Entrons dans cette célébration que Mgr Danfousse présidera. Il est un Dieu qui fait une promesse
non pas tout simplement à toute l'humanité que nous sommes et qui formons le peuple de Dieu, mais il s'attarde à nous adresser une parole très personnelle. Il s'agit d'apprendre à écouter avec le cœur. Et quand on entend la voix de Dieu, quand Dieu nous interpelle par notre nom personnel, il y a là une semence, une grâce unique qui accompagne l'appel de Dieu. Et cette grâce peut certainement différencier un peu d'une personne à l'autre, mais selon lequel la grâce est suffisante, et Dieu s'occupe de faire le travail en nous à mesure qu'on lui donne toute la place. Et c'est ce qui se passe dans la vie d'Abraham. Abraham a reçu une mission de bénir les gens qu'il était pour rencontrer. Et en bénissant ces gens, il serait lui-même béni. Bien dans ma petite expérience d'évêque de 3 ans, ce que j'ai appris, surtout dans les moments difficiles, alors que je rencontrais peut-être des gens qui n'étaient pas faciles avec laquelle travailler, ce que j'ai vite appris, c'est qu'une bénédiction va beaucoup plus loin qu'une malédiction. On gagne le cœur d'une personne, même si cette personne n'est pas de bonne humeur en la bénissant. Ça les met à court de mots parce qu'ils s'attendent à une attaque, s'attendent à quelque chose de fort, de négatif. Et quand on dit une parole d'amour, une parole d'espérance, une parole qui redonne un sens et une nouvelle orientation, quand on est béni avec la grâce de Dieu, un nouveau chapitre commence. Je souhaite que cette grâce nous soit donnée pour vous bénir constamment, même dans les moments les moins faciles. En effet, nous avons apporté avec fierté l'héritage qui nous est donné. Ce cadeau de la foi et de l'amour en Jésus-Christ. Et je ferai tout mon possible pour communiquer cette foi, communiquer cette espérance en Jésus-Christ, et communiquer l'amour même que Jésus nous a enseigné, et d'une façon toute particulière en cette année jubilaire de la miséricorde. C'est une grâce pour moi de commencer mon épiscopat ici, durant cette année jubilaire. Et la miséricorde de Dieu, elle peut toucher tous les cœurs. Et j'aimerais, comme évêque, savoir toucher vos cœurs, pour qu'avec vous, nous puissions toucher tous les cœurs de ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Pour ceux qui sont toujours en quête de Dieu comme Abraham, c'est ensemble que nous allons pouvoir faire en sorte que l'Église du Christ soit vraiment bien connue et bien vécue. Et c'est avec l'Évangile d'aujourd'hui que je vous lance dans cette nouvelle mission. Et quand Jésus a approché Simon-Pierre, il lui a demandé à Simon, m'aimes-tu plus que ceci? Bien sûr, Simon-Pierre, au début, il dit, bah, oui, Seigneur, je t'aime, d'une façon plus spontanée. À la deuxième question, Simon répondra d'une façon un peu plus intentionnelle. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais à la troisième question, c'est comme si ça formale un peu à l'intérieur. Pourquoi Jésus me pose la question une troisième fois?
Il veut vraiment que si mon cœur aille jusqu'au cœur de ce qu'il habite, pour que son oui, oui Seigneur, je t'aime, puisse venir du fond des lèvres, venir de tout son âme, et qu'il puisse se donner d'une façon où il se donnera entièrement, même dans les moments difficiles. Ce oui à l'amour pour Jésus-Christ, eh bien, je vous le demande de me le rappeler constamment lorsqu'on se rencontre, pour que jamais je n'oublie d'aller jusqu'au troisième degré. Et moi, je vous le même avec vous. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Et cette question sera essentielle pour la nouvelle évangélisation de notre Église. Dans l'Est, nous avons un truc, l'intégration de la classe,
venir de loin. Hein? Qui aurait pensé avoir tant d'évêques au milieu du mois de janvier dans ces conditions hivernales ici à Northfield? J'aimerais aussi saluer la présence des membres de ma famille venus du Manitoba et du Québec. Merci d'avoir accepté l'invitation de célébrer dans la joie ce jour important de ma vie. Je veux aussi en profiter pour remercier les gens venus du diocèse d'Abidjan de Carquefort. Vous avez été remarquables et très appréciés. Vous avez certainement manqué. Je vous garde dans les prières alors que vous attendez patiemment la nouvelle de celui qui assurera la responsabilité que j'ai assumée pendant les trois dernières années. Bien, il y a certainement une joie qui m'habite présentement. De me savoir accueilli comme cela, ça fait chaud au cœur. Et je perçois dans les gens vraiment un désir de connaître leur évêque et de travailler avec moi. Alors, tout cela, ça annonce bon augure. Et j'ai hâte de pouvoir interagir avec les gens, à mieux les connaître, tout simplement mieux les servir. À qui je pense? Bien, je pense... par exemple, aux gens que j'ai laissés d'Alexandria Cornwall durant la cérémonie où on fait le transfert d'un diocèse à l'autre, ça m'a frappé là. Mais je pense à tout potentiel qui est devant moi. Dieu m'appelle à quelque chose de beau et de grand et j'ai hâte de découvrir tout cela. Bon, mais j'ai fait mention durant le rite d'installation, mais l'Eucharistie, surtout moi, j'aime la parole de Dieu m'habite beaucoup et durant l'homélie, j'ai pu voir comment la parole de Dieu, ils sont assoiffés et leur communiquer la parole de Dieu, ça a été pour moi un délice, c'est comme vraiment faire ce que j'aime faire, alors j'espère pouvoir leur faire encore bien souvent. Eh bien, je désire que les gens puissent me porter dans la prière. Ça se fait pas sans la prière. Et c'est mon expérience dans les années passées comme évêque. Le support de la prière des gens fait toute la différence. Alors, je compte là-dessus. Pour exprimer mon soutien et ma fraternité à Martial, à Monsieur Danfous, et en même temps pour exprimer la solidarité et notre collégialité entre évêques, et en même temps, mon affection à l'église de Sault-Sainte-Marie, où j'ai œuvré pendant plusieurs années, eh bien, de travailler à construire le royaume de Dieu, royaume de justice, de paix et d'amour, et d'être des apôtres de la miséricorde de Dieu en cette année du jubilé. Plus que jamais, nous avons besoin de laïcs, de gens qui sont vraiment engagés à aller vers les périphéries, rejoindre le pauvre et le petit. C'est le message du pape François et je pense que c'est le message que je peux donner à l'église de Sault-Sainte-Marie. Eh bien, pour Monsieur Marcel, qu'il ait la santé, la joie et le bonheur de servir cette église que j'ai beaucoup aimée et surtout l'énergie pour voyager. Parce qu'il va avoir à se rendre d'une église à l'autre et d'un bout du territoire à l'autre. Alors, ça va y prendre beaucoup d'énergie. C'est ce que je lui souhaite. Et puis, oui, c'était très important pour moi de venir ici aujourd'hui. Malgré la distance, ça valait bien le coup et je suis très heureuse. D'abord, je peux parler de la célébration. J'ai trouvé que la célébration, c'était un événement d'église. Dans le plein sens du mot, c'est une célébration qui est à la fois grandiose, qui s'est déployée dans la simplicité et aussi l'humilité. On rencontre souvent l'Église humble et souffrante dans nos journées. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir quelque chose de l'Église. Mais l'Église, moi, j'ai vu ça comme ce Dieu qui nous aime, et qui vient à notre rencontre et qui, c'est cette belle rencontre de Dieu avec son peuple dans le leadership de l'Église, un leadership pastoral, un leadership proche de nous. J'ai senti ça dans les paroles de l'évêque. Je pense que c'est un homme très fort dans sa foi,
fort dans ses convictions, fort dans son humanité. J'ai senti un homme vrai, un homme sans arrogance, avec une humilité qui nous crève les yeux, j'allais dire le cœur, parce que ses paroles avaient tellement une portée. C'était un cœur qui parle à un autre cœur. Et ça, c'est la manière de Dieu. Dieu nous parle de son cœur à notre cœur. Et je trouve que c'est un homme de foi, c'est sûr, mais je le sens un homme fort, sans arrogance, avec une humilité qui le rend très accessible. Mais je lui souhaite beaucoup de courage parce qu'il va rencontrer beaucoup de défis et je lui souhaite de travailler proche avec nous. Ce sera pas compliqué, ce sera pas difficile de travailler avec lui parce que je pense que le Seigneur a une belle vision pour le Sault Sainte-Marie. Je pense que le Seigneur voit une belle tapisserie de toutes les couleurs, de toutes les cultures, des langues. Et avec cette ouverture, avec les immigrants qui viennent et tout, on va finir par en avoir. Alors, je lui souhaite beaucoup de courage et je lui de tapisser avec nous la tapisserie que Dieu veut. Et je lui souhaite aussi de chérir chaque petite joie qu'il aura dans les succès, aussi humbles qu'ils soient, de se réjouir avec nous de ce que nous pourrons accomplir ensemble. Et je veux lui dire que je l'aime déjà beaucoup. Pour commencer, nous sommes 4 garçons dans la famille. Je suis l'aîné. Marcel était le deuxième. Gilbert et Marcel sont tous les deux prêtres. Gilbert, mon autre frère, est en France. Et le plus jeune, Claude, il est marié comme moi. Alors, tout jeune, Marcel et Gilbert, ce sont très intelligents. Une bonne chance qu'il nous a gardé un petit peu d'intelligence, mais non, tous les deux, très intelligents, puis beaucoup de capacité d'apprendre. Et bon, ça, c'était au tout jeune âge. Mais après, lorsque Marcel a été ordonné prêtre, on pouvait voir que d'abord, il y avait le don de la parole, peut-être comme vous avez fait expérience aujourd'hui. Un bonhomme très terre-à-terre, qui parle avec beaucoup de simplicité. Et le don qu'il a, c'est justement de nous aider à relier la parole de Dieu avec notre vie quotidienne. Et d'après ce que j'entends, d'une paroisse à l'autre, d'un diocèse à l'autre, les gens l'apprécient beaucoup, justement, dans qui il est, tout simplement, puis le pasteur qui est. Il y en a gros. D'abord, beaucoup d'émotions, parce que quelle beauté, la célébration en tant que telle, le message reçu, d'ailleurs, comme Marcel, mon frère, me disait tout à l'heure dans son sermon, c'est cet amour envers Jésus-Christ. Et puis ça, c'est pas juste seulement aujourd'hui, mais c'est tout un cheminement. Hein. C'est ça que je trouve merveilleux, de suivre un peu son trajet d'une place à l'autre. C'est ça, c'est tout un cheminement. Et la beauté de sa interrelation avec son peuple, c'est ça qui est beau, de travailler ensemble, puis justement, de rayonner cette présence de Dieu envers les autres. Ben, il se rapproche de nous un petit peu plus. Faut dire vite parce qu'on est quand même à 20 heures de route de chez nous. Mais vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, on peut se communiquer assez facilement. Mais il demeure bien présent dans nos cœurs, dans notre famille. Et puis, bon, il porte toujours dans nos prières. Alors, non. Je dirais que l'Esprit puisse continuer à l'animer comme qu'il anime déjà. D'abord de simplicité, d'humilité, d'écoute, de sagesse. Parce que, comme je dois dire, pour nous, la famille d'Enfous, c'est tout un honneur d'être choisi par notre Saint-Père le Pape, d'être évêque d'abord. Mais en disant que c'est avec fierté et honneur, c'est aussi grande responsabilité. Sachant qu'il est bon pasteur de son troupeau. Alors, mon souhait, c'est ça, c'est d'être bon berger auprès de son troupeau avec l'amour qu'il porte pour Jésus-Christ.
Et puis voilà, plein de bonheur, plein de joie, santé et tout ça. Chers amis, c'est tout le temps dont nous disposons. J'espère que ces quelques bons moments ont su vous plaire. Au revoir, à une prochaine.